Bonjour tout le monde, c'est Cuts. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite partie de... Resident Evil. Ouais, moi aussi je fais comme Hartman. Sauf que moi je vais prendre un autre personnage. Et je vais mettre les commandes en moderne, l'affichage en original. Et puis je vais laisser les sous-titres. Je joue comme Hartman en gamer. Et je vais prendre Chris Redfield. Sachant que je peux prendre la version nouvelle, que j'aime bien physiquement, mais ça me rappelle de mauvais souvenirs sur Resident Evil 6. Donc je vais prendre la version originale. Et là, pareil, il y avait la version nouvelle de Jill. Donc je vais prendre Chris Redfield. Et je vais zapper la vidéo. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... Il est mort. No. Si. Who ouais, is non, that? Peut-être pas. I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Jill? Chris? Not Chris? Take care. Take care. Yeah. Et moi, je me retrouve tout seul. Hartman, il était avec Barry. Je suis désolé. Hein. Et moi, tout seul. Avec mon couteau. Par contre, j'ai mon couteau, alors ça, je suis content. Alors moi, je vais pas prendre le ruban là, qui sert à rien. Hein. Je suis pas comme Hartman. Moi, je suis pas comme Hartman. Hein. Ok, et le tableau, ça dit... Un tableau représentant deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpassé la tête de l'autre. Et ils ont très mal. Moi, mon inventaire, donc, j'ai que 6 compartiments, là. Ok, par contre, j'ai mon briquet. Pour l'instant, je laisse... Ah, attends, il y a une marque de sang, quand même. Non. D'un de vos amis, quoi. C'est un narrateur qui parle, c'est même pas Chris, quoi. J'ai un peu plus l'habitude de jouer que Hartman à Resident Evil, mais bon. Je connais un peu plus le 2 que le premier. Coucou. Un petit coup de couteau quand même avant de partir. Je pourrais essayer de le buter quand même. Il se retourne pas vite hein. Ouais, moi je fais tout couteau, moi. Tout le jeu couteau. Je le vois lui taper dans la tête, mais. Non, je le tue, hein. Je m'en fiche, hein, moi. Je vais me débarrasser de lui, moi. Ça va être long, hein. Ah, j'essaie de taper sur la tête, mais. Mais arrête de bouger! Ah, bah voilà. Ah, mince. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Le nombre de coups de couteau quand même qu'il faut là. Au moins on est débarrassé. Ah, c'est Kenneth ça. Ah ouais. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une cassette. Un magnétoscope. Oh, ça existe encore ça, à cette époque là. C'est quoi ça? Y'a rien. Oui, c'est bon, j'ai compris, c'était Kenneth qui était mort. Ok. Je peux pas aller là. La map. C'est comment je vois la map direct? Ah bon. Ok. Inexploré et 100%, il va pas dans la version originale ça. La map, d'accord, c'est ce bouton là. C'est RB sur ma manette parce que je joue à la manette. Donc moi j'ai pris les commandes modernes parce que c'est.
Bah, la différence, déjà, c'est beaucoup plus rapide. On peut faire ça dans la version originale, par exemple. La version originale, c'est voilà, j'avance comme ça. C'est pas facile. En fait, quand on utilise la croix directionnelle vers le haut, bah ça va vraiment vers l'avant, quoi. Quand on utilise la croix directionnelle vers le bas, hop, le personnage y recule. Et là, avec les commandes modernes, c'est directement il court. Hein. Ça, donc c'est quand même plus simple. Bah, tout le monde s'est barré. Ah, bravo. Jill? Je me sens seul. Where did they go? Ça me plaît. Ça vaut pas un couteau, mais bon. Il était pas aussi beau que ça, hein, quand même, dans la version originale, je pense. Hein. Alors, je sais pas si Hartman l'a dit, mais je vais pas sortir parce que il y a des chiens qui vont s'amener. Hein. J'avais déjà joué sur GameCube, la version remasterisée, et ça, ils sont pas cool, les chiens. J'ai combien de balles? 15 balles. Je vais garder mon couteau pour l'instant. Il y a quelqu'un avec une chaîne et moi je dis c'est pas bien. C'est verrouillé. Ah, le coup des casques et tout ça c'est un peu pénible. Parce que c'est pas indiqué sur la map. Hop. Ouais, bon, ça, de toute façon, tout ça, on le voit avec Hartman, hein. Y a pas besoin de. Je sais pas si je vais le buter, mais par contre. Est-ce qu'au couteau, quand même, c'est long, hein. Je me souvenais pas que c'était aussi long que ça. Il m'a raté. Oh, le nul. Oh, le boloss. Ah, j'ai réussi. Vite, vite, vite. Et dépêchez. Quel stress là, c'est le stress. Vite, vite. Non! Ok. Oui. Il va pas monter. Il va me choper. Hein. Viens par là, viens par là. Est-ce que je peux plus. Je peux pas prendre n'importe. Ok. Je me casse. Pas besoin de nous tuer, ça sert à rien. De toute façon, ici, on passe pas souvent par là. Surtout que je peux pas le cramer. J'ai ramassé quoi le plan? Je vais voir là-haut, là. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Ça fait peur tout ça. Alors ça, il y avait pas dans la version originale, je crois pas. L'autre côté. Et comment tu passes de l'autre côté, non? Une onde d'inscription, d'accord. C'est formidable. Tu as quelque chose là. Avec la flèche. Ok. C'est des munitions, ça? Bon, bah, ça, de toute façon, le fusil à pompe, je l'aurai dans longtemps. Allez, on se casse ici. Prendre de la place dans l'inventaire, ça. Jack Cartman, il avait du mal avec son inventaire, alors moi,
Ok. Je sais pas trop où je vais, mais je teste un petit peu. Ok. C'est qui ça? D'accord. C'est cool. Ok. Alors. Non, non, c'est pas ça. Je me trompe comme Hartman, là, ça y est. Ok, moi c'est la grande porte là. Très bien. Je vais prendre le flingue à partir de maintenant quand même. Quelqu'un là? Ah, il y a visée automatique là. Ok. Un poignard. Je crois pas que je suis passé par le même endroit que Hartman. Ah non. Il y a que deux portes là. Ok. Et là je peux passer là? Ah non. Ok. Donc Hartman il avait déverrouillé de l'autre côté, non? Ok. Je sais pas. Il doit pas être loin. Hein. Ah si, il est vachement loin. Hop. Allez, adios. Et voilà, j'ai cassé une statue. Je peux pas descendre. Allez, à plus. Bonne chose de faite. Hop, on se barre d'ici. De toute manière, je peux pas aller sur les portes là-bas. Il me reste plus que cette porte là. Je vais juste voir un truc là. Y'a rien là? Ok, y'a rien. Bah, est-ce que ça, toi, ça? C'est bizarre qu'on peut pas le pousser, non, il faut faire quoi en fait, non? Ok. Je crois qu'il y a un moment ça va. Je vais pas le ramasser maintenant. De toute façon, je sais où c'est. Si j'en ai besoin. Y'a personne, hein? Bah non, j'ai tué tout le monde. Je crois. Armure. Ok. Ça c'est la cuisine. D'accord, je peux pas y aller. Canette. Et puis mon pote est toujours là. Ok, là je peux y aller. Oh, il a la classe quand même. Graphiquement, c'est beau, je suis désolé. En 4 tiers, en plus, l'image elle est complète. Oh, ça j'aime bien ça quand même. Limite, je le vois jouer doucement comme ça. Parce que... sans mettre mort sur le coup. Là, il y a une cage. Ah ouais. Tiens. Je vais prendre les plantes quand même. Oh la vache. Et tout plus de place. Ok. Plus rapide qu'avec Hartman, hein, ça. Oh non, ah ça, ah, ça va rappeler de bons souvenirs à Hartman, cette partie-là.
J'aime pas quand je passe devant eux, j'ai l'impression qu'ils vont me bouffer les pieds. Il y a une inscription. Ok. Ça doit faire beau ça. Donc là il y a une clé. Ok. Là. Ok, c'est le casque. Mince. Donc, si je prends la clé, ça déclenche le piège. Déjà? Ok. Bon. Rapide. Ok. Ok, il y a la flèche. Un instant. Il y a quoi d'autre? Ça c'est bien. Ok. Je prends la flèche. Ok. On fiche. Oh, c'est beau. Un péridio. Non, c'est pas ça. La carte. J'ai essayé d'ouvrir la porte tout à l'heure là. Là c'est fermé je crois. Ok, maintenant on revient en haut. Du coup, le seul changement qu'il y a eu c'est... J'ai récupéré ce truc là, donc je vais, faut que je retourne dehors. Je crois que c'est ça. Hein. Donc je crois que c'était juste là. Ce qui va me donner certainement une clé. Il doit y avoir quelque chose. Ah, le coup des masques. Ok. C'est bien fait les effets de lumière. Ouh, je suis en dessous et plaf! Même sur le côté quand même. Grimoire. On examine. Ah. Oui. Clé du manoir. Quatre masques, etc. Ok. On examine pour voir ce. Quelle clé c'est?
Alors par contre là, le coup de l'épée, je sais plus quelle porte c'est. J'aime pas passer sous les sarcophages. Bon, c'est sûr qu'il est moins... Chris est moins sexy que Jill, j'avoue. Mais il a une bonne gueule quand même. Voilà. Alors, la carte. P1, F3. Deuxième. Premier étage. Moi, ce que je vais faire... Bon, déjà, je peux essayer celle-ci, non? Ah, bah, ça tombe bien, dès. On y va. Le pur hasard. C'est où ça? Rien d'intéressant. Est-ce qu'on peut pousser quelque chose? Je regarde la map. Ok, bon, bah, on est là. Grande porte. Je me souviens pas ce qu'il y a dedans, par contre. D'accord. C'est quoi ça? Oh mince. La planche de bois. La planche de bois. J'ai quoi sur moi là? Ah, presque t'es tenté de prendre une plante parce que je sens que je vais oublier un objet. Attends, il faut que je regarde où c'était. D'accord. C'est quoi ça? Oh, puis j'ai plus de place. Ah. Des munitions. Il me faudra un coffre là. Échec et mat. Kramouf. Jupiter. Ça, ça me rappelle le film Jupiter. Ouais. C'est pas le film du siècle. Ok. Des livres. Alors, là, il y a le sifflet. Il y a le truc à ramasser. Ok. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de... D'accord. Ok, bon, bah, je vais te tuer, Thomas. De toute façon, j'ai pas de munitions. Je sais... Il est mort, là? On sait jamais. Non. Couteau à la tête, ça fait mal, hein, je vous le dis. Pas de casse-pillage chez moi. On finit où? Oh. Casser la gueule en escalier, je vous le dis. Oh, j'aime pas ça. On finit au couteau. Technique. Il est mort. Ok. Bien. Ah, ça... Il aime pas que ça change d'image. Et je viens de... Quoi, il est pas mort? Je suis en pleine coupure de tes coins là. Ah, ça c'est pas bon ça. Ok, tu veux que je te finisse au flingue? Une balle dans le ventre, ça va te calmer ça. Donc là-bas, j'ai pas été. Très bien. Là, c'est ouf. Ah bah, c'est juste là, d'accord. En dessous, il y a un coffre. Attendez. Ok, tout est effacé. Ah, j'aimerais bien prendre cette plante là pour me récupérer toute ma vie.
Là, je peux enregistrer. Là, c'est le flask. Déjà, on va prendre ça. Ça, on peut le laisser ici. La vie aussi. Je vais ramasser ça. Petite courde. Oh, j'avais pas vu ça, dis-moi. Ok. Ça, on peut... Vieille clé ? Tu vois, ça va quoi, vieille clé ? Je me souviens pas de ça. Tu vois, non, pas grave. Mmh. Ah, le kérosène ici. Ben, je peux les buter, les cramer les deux autres là-haut. Hein, en espérant qu'ils se réveillent pas. Je pense que je vais prendre la plante et l'utiliser directement. De toute façon, les... je vais enregistrer bientôt là. Il faut utiliser ça comme ça, non? Non, c'est la gourde qu'il faut utiliser. Ok. Ok. Petite clé m'embête, hein. Je vais aller voir ce qu'il y a là. Ok. Une femme ou quoi ? En danger. Je vais juste regarder un peu ce qu'il y a dedans là. Plein de choses. C'est le coup du plan là. Je peux allumer directement comme ça ou pas? Très bien. Mmh. Ok. C'est verrouillé. Donc là, plein de plantes. Ok. Là, je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai bien envie. J'ai quoi en inventaire? Ok. J'ai plein de choses à récupérer. Hein. Qui sont juste à côté. On va mettre ça. Ici pour l'instant, je ferai bien le couteau. Je fais la petite clé. Et pour l'instant, je fais ça. Juste le temps d'aller récupérer des objets. Je vais prendre une plante. Je vais l'utiliser. On sait jamais. Hein. Je me suis quand même fait bouffer un petit coup là. On va pas faire du Hartman. Ah mince alors. Ok. Alors à côté il y avait quoi? Je me souviens déjà plus. Je sais qu'il y a la planche là, ça je vais m'en servir. Ensuite là-bas, il y a le sifflet pour le chien. Ok. Je le prends. Il est là.
Sir Spencer. Spencer, lui, par contre, il est quand même connu de Resident Evil. Cacher quelque chose. Ok. Il reste quelque chose. Non, je ne veux pas prendre le jeu d'échecs. Qu'est-ce qui reste? C'est quoi qui... Ah, c'est pour les plantes rouges et vertes, d'accord. Là, c'est bon. Ok. Du coup, je vais utiliser la touche de bois. C'est quand même facile comme mode de jeu. Je sais pas comment Hartman l'a fait pour mourir. Hein. Ouais, je vois pas. En plus, à chaque fois, il se trompe toujours de touche. Là on a mis les deux volets, ça nous a fait un imprimé de la carte quoi. La prendre, oui. Et voilà. Cool. Bah, je prends toutes les plantes. D'abord la rouge. Je vais la combiner. Tac, tac. On peut pas en combiner encore plus fort là. Je pense qu'il est temps d'aller sauvegarder. On avait tout pris en fait. Hop, on rentre au bagaille. Tout ce qui est plante, tout, moi je viens, de toute façon je pense pas. Et ça par contre, il faut que je prenne ça. Je sais pas. Je vais déjà les enregistrer et puis on verra ça la prochaine fois. Hop. Il y a que Hartman pour prendre les trucs pour les rubans pour enregistrer dans son inventaire. Et voilà. Bon, bah on continuera la prochaine fois. Je vous dis à plus tout le monde.